CDNR was set up in 2014 with the aim of giving investors access to the fascinating and still relatively unknown world of rare metals. We looked for a long time for a company that was investing or that could enable us to invest in the rare metal space, and we couldn't find it. And we thought we might as well use the space and create it ourselves. Ce sont des métaux qui ne sont pas cotés sur les marchés financiers. Et ce sont des métaux qui vont être utilisés dans des applications à très haute valeur ajoutée. Ce sont les matières premières qui vont conditionner la révolution technologique, qu'elle soit numérique, qu'elle soit verte, qui arrive. Il faut faire des véhicules plus légers et donc des aciers qui vont être plus résistants. On va avoir besoin de métaux rares. Il faut faire des avions qui vont consommer moins. Et donc là, de la même façon, on développe des turbines qui consomment moins de kérosène, mais aussi qui fonctionnent à plus haute température et du coup qui ont besoin d'alliages particuliers. In today's environment of cloud data and cryptocurrencies, it's tempting to believe that we live in a less material world. The reality, however, is quite the opposite. Et la transformation numérique, elle a une réalité qui est tout à fait matérielle. Derrière la transformation numérique, il y a des data centers, il y a des fibres optiques, il y a des câbles sous-marins, il y a des smartphones comme terminal. The interest is the fact that we invest in tangible, real assets. We could actually touch them. Our investment fund invests physically in those rare metals. We store them in a warehouse. And financially, the outlook for these metals is very interesting indeed. So the price is going to go up, the price could go down, but they'll never go bankrupt. Dans ce monde fini, il va y avoir 10 milliards de personnes qui vont vouloir consommer toujours plus de téléphones portables, de voitures électriques, donc ces ressources. Il va y avoir des tensions sur les approvisionnements. Et donc fatalement, à moyen et long terme, le prix de ces métaux va augmenter. Investing in tangible assets with a real value is responsible finance on one hand. But when, on the other hand, those assets are the key ingredients for all green technologies which are emerging today, then that means that our style of finance is one which is doubly responsible, which truly reflects the world in which we live today, and which really responds to the challenges of the future.